parce que je peux faire beaucoup de choses en fait. Et tout le monde dort, tout le monde machin. Et en fait, je suis plutôt actif, je suis content parce que je peux faire plein de choses. Donc ça permet de faire pas mal de choses dès le matin, de planifier ma journée, et puis c'est Dès parti. le matin, de planifier, Voilà. et puis surtout par rapport au travail qu'il y a à fournir, parce que tu as des distributeurs, des distributrices, qu'il faut alimenter. Comment que Exactement. ça se passe? Alors, donc c'est simple, le matin on se lève tôt, on s'occupe d'Internet, parce que dans la nuit il y a eu des commandes Internet, Ah dans la oui, soirée il y a des commandes Internet. toutes les commandes arrivent. Donc voilà, donc faut les gérer, ça c'est Non, très même pas un important. café avant. Alors, je prends, si je me lève, je prends mes médicaments, Ouais. voilà, parce que j'ai des médicaments que je dois prendre tous les jours, c'est comme ça. Le café, je le prends pendant en fait, Pardon? voilà, et voilà, et c'est parti. Et puis après, quand j'ai terminé, bah, je pars sur Paris. Je vais accompagner ma petite femme à son travail. Ça c'est Tout mon est bien, tout est bien. moment où c'est le moment où je suis un peu avec elle. Ouais. Donc c'est un moment que j'apprécie énormément parce que c'est le moment où je suis avec elle. Et puis après on part à la poste. Et après ben, on a déjà préparé aussi les commandes ben, des clients professionnels parce que c'est la plus grosse partie. Ouais. Et après c'est C'est parti là où pour il les y a le plus livraisons. d'argent, quoi. C'est là le plus gros. Hein. Voilà, Ouais, c'est bah le plus oui. gros et surtout l'export bien évidemment. Donc c'est du gros tout de suite. Mais là et puis voilà et puis. Ah bon, on va faire les livraisons de ses clients professionnels. On fait la tournée. Ouais, parce que là c'est 14 ans quand même. 14 ans, c'est petit à petit, c'est par escalier, ou bien C'est c'est par arrivé, ou bien c'est escalier. cyclique. Comment que ça se passe? Alors, c'est assez étrange. Ça a commencé en fait. Au début, c'était normal, mais on voyait que C'était plus ou moins local. c'était local, mais on sentait que très Il y avait rapide. un frémissement. Ça a été très rapide, je trouve quand même. Il y a juste une période, ça a été très rapide, et après il y a eu un ralentissement quand j'ai décidé d'ouvrir ma boutique. En fait, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir une boutique, et Ouais. en fait, finalement, tous les. Je voulais, en fait, j'avais une vision. Je voulais faire comme Yves, ma première, comme Yves Rocher. Ouais. Mais c'est-à-dire que ce serait Ozentia, mais les mini-boutiques Les mini Ozentia. boutiques. Donc il fallait commencer par une. Ouais. Et moi, je suis allé, j'étais rue de Sainte-Cécile, donc pas loin des Folies Bergères, un quartier où je pouvais trouver déjà. Il fallait que je trouve une boutique où j'ai pas de porte, que je paye qu'un loyer. Ouais. Et pour 10 mètres carrés, je payais quand même 1200 euros de loyer, Ah ce qui ouais. était énorme, Énorme. énorme. Bon, j'ai dit ok, mais bon, c'est pas grave. Mais je n'étais pas bien situé. Il fallait que je sois au boulevard Strasbourg. Sauf que boulevard Strasbourg, c'est énorme. Voilà, Ouais. c'est où il y a le travail, c'est où, Ouais, voilà. oui. Donc en fait, c'était très compliqué, très très compliqué. Et l'anecdote que j'ai, parce que c'est le midi, je mangeais pas, c'était compliqué. Même ma femme, des fois, savait pas, je disais rien. Et je me rappelle un jour où c'était très très dur, où je suis allé m'enfermer dans mes petites toilettes. Je commençais à pleurer parce que c'était trop dur, c'était trop dur. Ouais. J'avais la conviction et machin, mais là c'est un moment où je craquais. Je craquais parce Bah, que. dans tout, il y a des épreuves, hein. On passe par Ah non, mais des je épreuves, savais. hein. Mais Ouais. même avant d'ouvrir la boutique, j'avais fait un accident de moto avant. Ah ouais. Je vous avais dit. Et le jour qu'il fallait ouvrir la boutique, ben, j'avais mon Bah écharpe. oui, ça te disait, il faut pas faire Je ça. conduisais la voiture, Mais mais. comme toi, t'étais tu par Ah rapport non, mais il à... fallait y aller. Tu S'il y t'es avait un dit, jour, il fallait. il faut le faire. Voilà, et Mais j'y suis allé. l'accident, il faut pas faire ça. Le lendemain, Tu je t'es suis devenu dit, non, je continue, je vais... Ouais, hyper c'est fainéant. ça. Le lendemain matin, j'étais au Bourba. Or que toute Ouais. la nuit, on l'avait passé à l'hôpital. Ouais. Et j'étais déjà arrivé. J'y suis allé. Donc il y a des moments très très durs. Et à un moment donné, il fallait se rendre à l'évidence que la boutique fallait la fermer, puisqu'à un moment donné. À un moment donné, ouais. Bah oui, c'était ça, c'était... Et repartir chez les pros. Donc c'était un nouveau combat, parce que je les avais laissés un petit peu. J'en faisais quelques-uns, mais moi le concept c'était que tout le monde allait Tout le le monde demander, allait venir... voilà. Et puis voilà, j'allais faire plusieurs boutiques. Ouais, Bon, j'avais ben la non. vision. Mais non. Et en fait, il y avait un gars qui me lâchait pas, en fait. Il venait, en fait, pour que je fasse une pub télé sur une chaîne d'Île-de-France. Ouais. Et je disais, non, je pouvais pas, j'ai pas d'argent. Comment je vais faire? Et à ce moment-là, j'ai réussi à avoir quelques deniers, en fait, à me débrouiller. Et là, je fais cette pub. Je ferme le magasin, je fais cette pub sur cette chaîne. Ouais. Et j'ai pas compris, en fait. Et c'est reparti. Parce que du jour au lendemain, mais c'était pire qu'avant. C'était le succès, mais Ouais. énorme. Et là, Non, mais parce que tu sais, incroyable. moi je reviens là-dessus, hein. Il y a des signes prémonitoires, et toi, de ton entêtement, tu n'en as pas tenu compte. C'est ça? Et j'ai toujours, à l'aube d'un échec, germe une réussite. Ça veut dire que dans ma Ben oui, tête, la direction que tu avais pris, c'était pas ça? J'étais déterminé Ouais. et à un moment donné, je voulais faire cette boutique, je l'ai faite. Ouais. Donc dans ma tête, je suis allé au bout, Oui, quoi qu'il t'as été arrive. au bout. J'ai chuté, mais c'est pas grave, Ouais. parce que je savais que c'était pas Il fallait terminé. que tu puisses repartir. Voilà, mais moi,
dans toute ma souffrance, dans toute voilà, mais dans ma tête, non. Et il y a eu la pub, mais du jour au lendemain, j'ai même pas compris ce qui arrivait, le raz-de-marée. Tout le monde demandait, même des clients, vas-y, donne-moi 100 cartons de d'Ozentia, de ça partait, hein, mais vraiment en vrille, c'était énorme. Et là, Ouais. j'assumais parce que c'était partout, dans tous les dans les pays, dans les machins, et là, c'était l'explosion. L'explosion. Truc de fou. D'accord, je reviendrai vers toi. Alors, Jenny, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, c'est un beau parcours que j'ai déjà eu le temps, l'occasion d'entendre plusieurs fois. Mais c'est toujours bien de l'écouter, puisque je pense que ça encourage d'autres entrepreneurs à suivre son exemple. Mais l'histoire est belle. Ouais. L'histoire est belle depuis le prénom de sa grand-mère. Ben oui. Donc, aux anges. Enfin, Aux déjà, anges. c'est un prénom particulier. Ouais, c'est ça. Et c'est un prénom qui a permis d'avoir ce nom original, Ozentia. Et voilà, non, c'est un très beau Dans le parcours. processus de ce qu'il dit, tu vois, il y a chronologiquement, et puis. Mais heureusement qu'il était têtu, hein. Bah, Voilà, parce que il a son cru entêtement a fait en son qu'il. projet, il a cru en la marque, et puis il a fait les investissements pour, surtout. Donc, Ouais. ouais. Sans argent, sans rien du tout. Paf! Exactement. C'est. L'investissement personnel, je pense que Et puis ça a j'avais la beaucoup force, contribué. je pense que c'est la force aussi de ma femme, ma femme, nos enfants. Je rappelle même une phrase Parce qu'on de. dit une femme qui est avec un Derrière homme chaque à grand homme se cache une grande 100%, mais femme. ça c'est. Ah ouais! Elle s'est posé la main sur l'épaule. Elle sent quand c'est. Juste aujourd'hui, elle sait, c'est trop. Mais bon, nous, c'est. On a un truc. C'est. Bon, voilà, c'est télépathique. Ouais. Elle sait déjà. Mais c'est. Elle va savoir quand elle se posait la main. Et c'est reparti, en fait. Parce que tu dis, bon, faut pas que j'aille de soi, c'est ma femme, faut que je sois. Faut que Ouais. j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Donc ça c'est bien, ça c'est top. Être voilà, être voilà, être voilà. Elle est toujours là. Ouais. Quels que soient les moments, si t'as les moments comme ça, t'as les moments fast, t'as les moments plus calmes, c'est normal. Et après ça repart. Faut savoir, c'est un ascenseur émotionnel le business, Ouais, les affaires. c'est vrai. T'as la concurrence qui arrive parce qu'ils voient ce que tu fais. Ouais, Tu vois il même y a des la très jalousie, gros. Tu il vois faut même dire des. les choses, hein. Tu Mingo vois. Donny, comment vas-tu? Je suis obligé Ouais, de dire non. bonjour Mais à. tu vois même Voilà. des gros qui copient. Mais des très gros qui n'ont pas besoin, mais Qui n'ont pas besoin, mais. je vois un grand nom que je n'ai pas cité, on voit des pubs tout le temps, et Ouais. il est parti sur ce créneau-là. Il avait fait, j'ai fait ce qu'on appelle des packs, son site des packs pouces. Et j'ai vu aussi, il a fait des packs Il a pouces. fait des packs pouces. Pack pouces, il n'avait Ouais. même pas honte, et c'est un grand nom, c'est un grand nom Ouais. qui Mais passe on à la sait. télé. Ah ben oui, mais c'est comme ça, Et c'est le business. voilà, et c'est le business. Et moi, je dis, t'inquiète, c'est comme ça. Ouais. J'ai dit, il y a à manger pour tout le monde. Ouais. Je dis, voilà, je dis, il y a un public pour tout le monde. Ouais. Donc voilà, mais c'est assez marrant, je me dis, bah, c'est bien parce qu'il me regarde. Ça veut dire qu'il me regarde. Et, ben oui. Ben, tu crois que les autres ne nous regardent pas ici? Ben voilà. Ben oui, On fait du nous bruit. sommes petits parmi les grands. On fait du Et, bruit. comment que ça a été, Jenny, la rencontre avec. Et ben ça s'est fait d'abord par rapport à la radio. Ouais. Et il faisait déjà la publicité sur la radio. Sous Et espace, tu peux dire, il n'y a pas de voilà. souci. Et donc du coup, ben, il m'a contacté pour que je puisse tester les produits. D'abord, j'ai fait une émission avec lui. Et ensuite. On a T'as commencé testé, à travailler. tu J'ai t'as dit, testé, bien c'est évidemment. bon. Ben, la première fois qu'il est venu, il m'a amené des produits pour que je puisse tester. Donc voilà, C'est qu'il était sûr curieusement. de ses Ben produits. oui, non, mais je pense qu'il On en va était déjà découvrir la gamme tout convaincu. à l'heure. Oui. Ouais. Et donc j'ai testé longtemps, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein, des Ouais. très très bons produits. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble. On a fait un bon bout de chemin. Et voilà, maintenant je fais ma petite route de mon côté. Ouais. Mais Alors, avec ses produits à lui. avec ses produits à lui, Ouais. toujours. Ouais. Toujours. Toujours. Mais en tout cas, je tiens à dire que, parce que moi je sais maintenant où je veux emmener Ozentia, et je sais que Jenny aura une place, elle sait pas encore, mais voilà. Ouais. Voilà. Non, Parce mais que c'est vrai comme que j'ai. j'ai moins d'investissement aujourd'hui. Enfin, parce que c'est vrai que j'en vois beaucoup les gens commander sur le site directement, parce Ouais. que du fait de petits soucis personnels, mais il y a toujours un moment où Elle est je toujours reprends là, la elle vient main, me je lâcher. conseille Ouais. les clients, toujours, toujours. Ouais. Bah, tu vois, on est toujours partenaire, donc Ben voilà. oui. Ah Voilà. oui, tous les vendredis, tous les mercredis, tous les vendredis, le partenariat. Et puis, voir qui c'est. Parce que moi, j'ai déjà dit, Mike, comment vas-tu? Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Il faut répondre quand je t'ai appelé. Hein? Bon, Fleur Daisy Winston, comment ça va? Oui, je disais, en plus, bon, vous, mesdames, commandez aux Antilles, d'accord? Moi, j'ai déjà dit aux femmes antillaises, arrêtez de porter des perruques, c'est quoi? Vous avez des cheveux. Bon, dis, bah, j'y vais, perruque, vous allez mettre des fers dans. Faire un chaud, je sais pas trop, des trucs dans votre tête. Et c'est ça, c'est.
Le naturel, qu'est-ce que c'est? Quand tu regardes une personne un petit peu léger de maquillage, c'est pas. Ne soyez pas extravagantes, mesdames. Soyez vous-même, parce que c'est ce que les hommes recherchent en ce moment. Alors, si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez personne, bon. Parole de Justin. Oui. Ah ben oui, c'est comme ça. C'est le naturel qui compte. Et aussi, moi, j'entends d'autres communautés qui disent, mais pourquoi dans notre communauté, on va chercher ailleurs des choses qui sont néfastes, qui ne sont pas bien pour nous. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ces personnes qui ne sont. Mais ils disent très clairement que la peau, les cheveux, tout ce que l'on a, c'est du naturel. Et comme c'est du naturel, c'est quelque chose. On n'a pas besoin de trucs. Mais pourquoi aller chercher. Alors moi j'ai un autre petit discours par rapport à ça. Je suis pas ni contre les perruques, ni contre tout ça. Je suis pour le fait